Yo les amis, c'est Gerald Vage of Noobs et c'est le week-end, on est vendredi soir, donc le week-end, qu'est-ce que ça me donne envie? Ça me donne envie d'étendre mon empire à travers les terres de Warhammer. Donc on va commencer tout le suite. Alors tout le suite, je suis en train de regarder un petit peu l'état de mes troupes aussi. Alors espace, où est-ce que je suis? Voilà, ça y est. Alors l'état de mes troupes un petit peu. Ouais, donc crainte spéciale 88 sur 100, 60 sur 88. Donc il faut pas oublier que je suis un peu KO. Le royaume d'Arabie m'aime bien, mais on va aller se poser tranquillou par là. On va aller à la taverne, tiens. Qu'est-ce qu'il y a dans une taverne? Traveler, ok. Ensemble Brooker, j'ai peut-être des prisonniers, non? On va voir ça tout de suite, vite fait. Non, a priori non. Ok. Donc là, on est des Alcani Fellowship, mais non, j'ai pas trop de thunes. Rien de spécial, donc on va attendre un petit peu, tranquillement, que mes hommes se soignent. Et puis on va repouillave de... Oh putain. Nothing to eat. C'est pas cool, ça. Good merchant, on va acheter de la bouffe. Du pain, du chicken et du pain. Et ça, c'est quoi ça? Rotten pork, c'est pas un truc. Ouais, on va leur vendre ça. Voilà. Ouais, on va vendre ça aussi, je m'en fous. Ça, je m'en fous. Ça, on va garder. Ça, on va le vendre. Et ça, on va le vendre. Allez. Et cette fois, on va rester un petit peu. Ah, on a l'armée d'Arabie là qui est plutôt nombreuse, hein. Ah, donc qu'est-ce qu'on va se faire aujourd'hui? Aujourd'hui, pour le moment, les terres de Warhammer ne nous connaissent pas beaucoup. Pour eux, nous sommes une bande de voleurs. Ce qui est plutôt bien. Pour moi, je préfère garder l'anonymat avant qu'ils sachent que le grand sultan est de retour. Il y a quelques pauvres moines dans des monastères oubliés et qui doivent encore avoir des bouquins sur moi. Mais sinon, ils ignorent tous ce que ma présence veut dire. C'est la chute irréductible de toutes les grandes villes. D'ici les prochaines décennies. Bon, alors, état des troupes. 88 sur 109. Orc Bigun, ça me va. Les Chaos Warriors, comme je l'ai déjà dit, pour le moment, ça reste des Chaos Warriors. On va essayer de se trouver une grosse armée là, à buter. Ah, une patrouille. En plus, ils ont des Nail Goblins. Et là, celle-là, plus 19. Ouais, non, mais il y a trop de monde. Par contre, la patrouille, on peut se la faire. Sinon, il y a des nains, là. Allez, on va les défoncer. Ouh, un capitaine de l'Empire. Ça, c'est une prise de choix, ça, messieurs. Alors, ok, là, on a du monde. On va commencer. Les archers, vous foutez là, tout de suite. Voilà. Et je vois rien, putain de merde. Voilà. Et les guerriers. Ok, allez. Et on se regroupe, allez, on se dépêche. Et ça, c'est quoi ça? Ah merde, c'est la garde sultanique. Sultan garde, bah, sultan garde, vous allez faire ce que fait la sultan garde, c'est-à-dire F1. Suivez-moi. Au moins, on va se caler là, tranquillou. Et là, est-ce qu'on les voit au loin? Ça, ils arrivent. Tranquillement. Ah, il y a le capitaine. Ouh, il y a beaucoup d'alebardiers. Allez, infanterie chargée. Putain, ils sont plutôt entraînés en face. Bon, on va les laisser gagner un petit peu. Ah, là, en tout cas, j'ai l'impression de me retrouver dans Warhammer, là. Voilà. Allez, ma garde. La garde sultanique avec moi. Montrez à ces faux. Vous me laissez passer, quand même. Et allez.
Alors nous ne sommes que des brigands à leurs yeux. Ils vont vite détromper. Je suis même pas sûr qu'on ait des pertes. Non, pas de pertes. Et pourtant, c'était pas des merdes. On va recruter celui-là. Spearman, ça m'intéresse pas. Crossbow, Albardi, on va le capturer. Il peut valoir cher. Et le Swordman, allez. Clan rat, clan vétéran, clan rat. Ok. Maraudeur, champion, comme d'hab. Orc Warrior. Orc Bigun. Undivided Chaos Warrior. Voilà. Black Orc, yeah! Ça c'est cool. Non, ça en touche pas. Storm Vermin, Plague Monk. Ah! Et on va essayer Storm Vermin. C'est pas mal. Et Plague Monk, Prêtre de la Peste. Oh, c'est énorme ça. Ok, donc là on est bien là. Le reste j'en veux pas pour le moment. Ça, ça doit se vendre cher, ça aussi. Ça, on s'en fout. Et voilà, donc ça c'est bien. Et on a encore du monde. Vétéran. Ah non, ça c'est mes Chaos Warrior. Ok, donc là on est bien. Là on s'est fait plaisir. Là. Limite, je me demande si on pourrait pas se taper un. Quelque chose de couillu quoi. Genre les Bretoniens. Ah, et les Bretoniens. Ces petits cons là. Ah bah une caravane high elf. Tiens, ça fait longtemps, on n'avait pas buté de haut elf. Allez, c'est parti. Alors là par contre, c'est un peu la merde. Les archers, vous foutez là. L'infanterie, ici. Allez, on se dépêche, pas toute la journée. Et la Black Guard, bah, je vais vous laisser aller en avant. J'ai pas besoin d'autant de personnes, donc vous pouvez... Oh mais c'est qui sont résistants ces cons. Bon la garde sultanique. Voilà. Pour l'instant vous resserrez les rangs. Allez. Revenez vers moi. Il y a beaucoup d'arbalétriers en face. On va pas prendre trop de risques. Putain, j'ai des guerres du chaos là-bas. Putain, ça vous apprendra le respect. Bon, infanterie chargée. Et pareil pour la Sultan Guard, vous pouvez y aller. Et là, par contre, à mon avis, on va perdre des hommes. Putain, la Phoenix Guard est classe, en tout cas. Ouais, ça vous apprend un peu le respect, là. Putain, un Phoenix Guard qui fuit, quoi. On aura tout vu. Allez, massacrez-les tous, là. Et voilà. Boum. Merci d'avoir participé, au revoir. Et en plus, c'est une caravane, donc dans la théorie, deux assommés, donc c'est parfait. Phoenix Guard, ça doit valoir mastune, ça aussi. Ça, un peu moins. Mais bon, c'est des elfes, ça se vend toujours. Au pire, ça peut faire esclave sexuel, c'est très bien. Voilà. Alors, clan Vermine ou Mulder Packmaster. Clan Vermine, on a dit. Ça, je laisse ça pour le moment. Plague Monk. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a de la bouffe ici, ça, et ça, ça vaut que dalle, mais on prend quand même. Ok, donc là, on est bien, là, on est bien. Là. Pas trop, pas de perte, hein, faut dire ce qui est. Encore un Chaos Warrior. Alors, on va changer, je n'ai pas besoin de Sultan Guard, donc les Chaos Warrior, vous allez être dans l'infanterie comme les autres. Voilà.
Pour le moment, j'en ai pas besoin. Ensuite, une caravane de Bretonia avec une caravane aux elfes. Je pense qu'on peut se venger de ces petits cons là. Pour le moment, c'est une méthode assez fourbe. Mais bon. Ça leur apprendra un peu le respect. Par contre, c'est un temps de merde. Et c'est des cavaliers, il faut pas oublier. Donc, les archers ici, les cavaliers ici. Et on resserre la position et on se dépêche. En attendant, on va essayer de gagner du temps. Oh, putain, ils ont des lances. Ouais, je l'ai mis cher, mais ça l'a pas tué. Ouh, il y a beaucoup de cavaliers, là. Putain, je lui ai mis 40... Allez, c'est bon. C'est bon, là, ça a commencé. C'est parfait. Vous allez encore resserrer un peu les rangs, l'infanterie. Je veux que vous soyez capable d'arrêter la charge des chevaux. Putain, mais ils sont bons, hein, quand même. Ça, j'ai l'air de juguler la charge de cavalerie, donc c'est quelque chose de pas mal. Ouh, la monture elle a pris cher. Faut que je m'achète une monture carapace au mieux. Oh putain. Infanterie chargée. Ok, ça c'est bon. Putain, ma monture elle est bientôt morte. En plus elle arrive plus à tourner. Voilà, ça vous apprendra le respect un petit peu là. La Bretonie sera un empire vassal. Mais je sais pas encore si je vais les brûler entièrement. Ça pourrait être une option. Ah, il y a un fuyard. Il se prend les tirs d'arbalète à répétition. Je suis pas sûr qu'il survive. Il y en a encore ailleurs et j'ai pas de minimap, c'est un peu la merde. Les archers, vous pouvez aller où vous voulez, tant que vous êtes capable de viser. Le pauvre canasson qui a trop du mal, quoi. Alors, il est trop loin, là, il va réussir à s'enfuir. Hein. Bon, c'est pas plus mal. Bon, est-ce qu'on a... On a pas eu de perte en plus. Putain, il y en a encore 3, allez, vas-y. On va prendre de l'avance. Allez, faites-vous plaisir. Où est-ce qu'ils sont là? Putain, je lui ai mis méchamment cher, il est pas mort. Ah voilà. Alors, le chevalier, là, il m'a l'air plutôt carapassonné, mais ça n'a pas suffi. Et voilà, ça c'est fait. Bon, Lord Huntsman, ça me paraît pas mal. Grail, on s'en fout. Ouais, Manatarm, peut-être. Le reste, ça a l'air d'être de la merde. Bon, on va les vendre, de toute façon. On va les vendre. Clan Vermine, ouais, comme d'hab. Biguin. Black Orc. Putain, les Black Orc. Vétéran Black Orc. Putain, ça existe, ça. Ouais, il t'en fait plus. Il faut plus rien, quoi. Personne qui peut les toucher. Et on va commencer à se faire un peu de cavalerie. Ouais, allez. Allez, on va les autoriser à avancer. Des épices. Ça, c'est cool. Ça, ça vaut peut-être des sous. Le reste, on se barre. Ok, donc là, on est bien. On est bien. Alors, avant de continuer, on va aller à Clanaron, essayer de trouver un vendeur d'esclaves.
Il n'y a personne. Ok, il n'y a personne, il n'y a personne. C'est pas grave. On va aller à Kemari. Kemari, je le sens bien là. Ça sent le vendeur d'esclaves. Je mettrai presque ma main à couper. Et non, des zombies pirates. Fuck. Et ouais, clairement, il n'y a personne. Putain, c'est à chaque fois qu'on veut vendre des esclaves, il n'y a pas d'esclavagistes quoi. On va aller à Zandori. Ah, il y a bien quelqu'un là. Wandering. Undead pirate. Putain, sérieux. Sérieusement là. Pas de vendeur d'esclaves, je suis un peu déçu là. Ah bah, je suis en Arabie. Hein. Taverne. Allez. Oh oui, ça sent le vendeur d'esclaves. Oui, monsieur. Lui là-bas, je le sens bien là. Hop. Alors, 96. Ok, ça vaut pas autant que ça. À Phoenix Guard, là, je dis au moins 200. Même pas. Ouais. Là, je suis un peu déçu. Vraiment. Bon, ça fait toujours un peu de thunes. D'ailleurs, en parlant de thunes, on va se barrer. On m'a dit que j'ai tué 150 personnes, je crois. Donc ça fait 15 000. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, donc là, je devrais être bon. Il va falloir que je tue un peu plus de gens aujourd'hui parce que. Ah oui, je voulais acheter ma monture carapaçonnée, donc on va aller direct au... ici. On va aller à la marketplace. Horse. Et j'ai pas assez de quoi. Putain. Bon, Heavy Maro. 18, 44, 45, 23. Ouais, non, le mien est très bien. 18, 15, 46, 46. Ouais, non, il est très bien, le mien. Est-ce que je peux te vendre ça, peut-être? Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi, j'en ai rien à faire. Et voilà. Ok, donc là on est bien. J'ai des assommés. Ah non, j'ai encore des gens qui. Maraudeur champion. Donc j'ai des guerriers. Storm vermine. Ok. Ok, là on est bien. Alors, on va se faire une bataille majeure là. Hein, parce que quand même, faut pas déconner. Là, 142, c'est un peu trop encore pour moi, peut-être. 160, 109, 108. Paladin 7, 7 paladins. Putain, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de paladins, quoi. Non, c'est encore un peu tendu. 162, laisse tomber. Ah ouais, mais il a pas beaucoup de. Creeping. En fait, celui-là, il est limite moins chiant. Ouais, allez, on va se tenter un truc de dingue. Donc, j'ai combien d'hommes quand même? 89, donc ils sont au maximum, ok. On va essayer de recruter là. Il est juste en dessous de Angui, Ergui. On va essayer de recruter quelques hommes comme ça, vite fait. On va les recruter à Zandri, hein. Je crois que j'avais des mondes. Taverne. Undead pirate. Ouais, bah écoute, vas-y, hein. De toute façon. On va pas faire le difficile. On va aller à Martek. Il y a des guerriers qui veulent se fight. Taverne. Ah, ça a l'air d'être un héros, ça. Ah non, c'est des mercenaires. Adeline, ça c'est un héros, mais je peux pas m'en occuper tout de suite, par contre. Voilà. Et on va défoncer ces mecs là. Ah, là-bas on a des. Eux, ils sont plutôt balèzes. 4 pour 615. Ok, donc c'est toujours 7 gagnés. On va aller à Tlangsar. Capital. Ah oui, non, non, ils m'aiment pas. On va aller, genre, chez les elfes noirs. Les elfes noirs, ils ont toujours des mercenaires. Et voilà, ça, ceux-là, ils sont bons en plus. 6 pour 100. Voilà. Donc là, on est combien là? Bah ça devrait le faire là, on est 109 sur 110. Bah écoute, c'est parfait. Il est où le petit con là? 162, c'est bien lui, c'est le même, ouais. Allez, je te défie. En plus, c'est un duc. Alors 103 contre 162. Putain, c'est quoi ce terrain?
Alors là, ça promet d'être compliqué. Ou pas, c'est peut-être une bonne nouvelle. Si eux ils sont là, et ben on va les faire traverser la rive en fait. On va se caler par là. Alors par contre, faut vite que j'explique à mes gens pourquoi je veux qu'ils traversent la rive. Les archers, vous foutez ici. Et on se dépêche. L'infanterie ici. Et la cavalerie, vous revenez. Faites pas de conneries. Non mais attends, l'infanterie là, avec 2 F4. On resserre les rangs, bordel de merde. C'est tendu comme truc. Ok, il s'allonge par là, donc c'est parfait, c'est exactement ce que je voulais. Vous allez me resserrer encore les rangs, l'infanterie. Et je vous veux là. Ok, ça pourrait être pire, c'est pas mal. Bon, les cavaliers du chaos, vous pouvez charger maintenant. Là où il va falloir se méfier. Voilà, ils avancent à petite vitesse. Ici, vous pourrez les massacrer. Bon, pour le moment, ça commence bien. Là. Les cavaliers, l'infanterie, elle peut charger maintenant. Efficace. C'est que des archers. Voilà. Alors ça c'est parfait. J'ai l'armure limite la plus résistante du jeu. Si les archers sont occupés à me combattre ou à me balancer des flèches, c'est super gratuit pour moi. Donc là, il va falloir que je fasse quelque chose. Allez, massacrez-les tous, ces bretonniens! Oh, putain. Heureusement que j'ai mes cavaliers. Putain. C'est la fin de l'armée du duc de Bretonnie. Putain. Bon, on va le laisser finir le taf. Hein. J'en ai déjà assez fait. Et eh ben putain, ça c'était de la bataille. 4 morts, c'est tout, pour 159. Un butin assez maigre, il faut l'avouer. Oh, Big Gun, c'est fait. Vidé de Chaos Warrior, ça c'est fait. Black Orc, c'est fait. Chaos Knight, c'est fait. Plague Priest, je crois que c'est... Il n'y a pas pire. Divided Champion. Ah d'accord. Ok, et un Repeated. Ouais, bon, on s'en est bien sorti. Putain. Alors, 12, 52, 45, 13. Ah ouais, non, c'est pas terrible. Bon, ça rapporte de la thune. Alors, est-ce que c'est badass? Ah ouais, mais je peux pas me l'équiper, j'avais compris, mais c'est quand même badass. Ok, ça c'est cool. Vraiment, là on a fait un beau massacre. Je suis vraiment content. Ok, Master Mulder. Ok. De les défoncer. Du coup. On peut encore s'attaquer à des gens là. Caravane. Non, un truc un peu plus épique quoi. 168. Alors eux par contre. Mais attends, mais ils ont. Ah, s'ils ont 16 plus 12, 20 cavaliers. 30 cavaliers.
On pourrait tenter, ça pourrait se tenter. Et vous savez quoi? Je suis un dingue. Ah merde. J'ai vu qu'il y avait des potes qui s'étaient. Non, non, on va se tirer de là. Non, la PS 268, faut peut-être pas pousser mémé dans les orties non plus. Caravane des Tomb King, non. 140. Ça me plaît un peu plus déjà. Allez, mon pote. C'est parti. Ils ont un petit peu de cavalier quand même, donc ça va être un problème. Et là, on va avoir des pertes un peu plus importantes, je pense. L'infanterie ici, la cavalerie là. Allez, on se dépêche. Allez, on se dépêche. Et l'infanterie, vous me resserrez les rangs et vous dépêchez, j'ai pas que ça à faire. Ça va maintenant en termes d'infanterie, c'est que de l'infanterie lourde. Donc ils arriveront par là. Ok, donc l'infanterie, vous allez plus vous foutre par là du coup. On va continuer à grimper si on peut. Archer, vous remontez par là. Allez, on se dépêche. Oh putain, ils prennent les. Ok, infanterie ici. On se dépêche. Allez, on grimpe, on grimpe. En fait, il faudrait que les archers se foutent là. Et l'infanterie ici. Et vous, la cavalerie, vous allez vous caler par là. Pourquoi ils attaquent là? Bon, allez, cavalerie chargée. Même l'infanterie du coup. C'est quoi ça? C'est pas des paysans ça? Oh, ils ont osé agresser mon cheval. Ok, le duc s'est positionné comme une merde. Qui me bat parfaitement. Je crois que je les ai vénères. Les archers, vous avancez. Là, vous pouvez pas aider. Là. Ah putain, j'ai loupé. Mais c'était un massacre là, y'a plus personne. Sérieusement, what the fuck? Deux morts. Ah putain, deux morts quand même. Pour 75. Ah, y en a encore 67. Ok, là. Bon, deux archers ici. Un infanterie ici. Et là, c'est l'infanterie, là. Déconnez pas. La cavalerie, vous pouvez aller les emmerder, ça me va. Ouais, l'infanterie, vous resserrez les rangs, là. Et on se dépêche. Le chaos contre la Bretonnie. L'infanterie, on va avoir besoin de renfort. Go, go, go! Ok, ok, ok. Tu vas avancer, oui? Putain, mon cheval, il voulait pas bouger.
ce massacre, quoi. Putain. Toi, mon pote, t'as eu de la chance. Allez, bon, ça c'est le gros massacre. Plutôt bien là, les archers qui mitraillent derrière. Non, on commence à avoir une armée bien entraînée. Enfin, je sais pas si on va encore se hasarder à conquérir une cité. Je sais pas encore. Pour moi, on n'est pas encore assez près. On va prendre notre temps. Mais là, là, c'est du massacre à sens unique. Et ça qui est bien. Alors, vétéran. Allez, on va tester les orcs War Boy. C'est quoi ça? Ah, d'accord. Je vois le style. Ok. Ok. 103. Et je peux en engager combien jusqu'à 112 maintenant? Ouais, le problème c'est que là maintenant. On va se faire quelques enfoirés là. Allez, on va s'attaquer à un truc assez cosy cosy. On va déjà se reposer. Allez, on va se reposer. On va être tranquille. The marketplace, please. Good merchant. On va acheter de la bouffe. On va revendre tout ce qu'on a d'abord. Voilà. Et avec ça, j'ai acheté de la vraie bouffe. Ok. Donc. Ouais, après, c'est tout à moi. Ok. C'est pas grave. Est-ce qu'il y a quelque chose de pas mal? 49-35. J'ai 49-35 déjà. Donc, ça m'intéresse pas des masses. Le toit, c'est bof. Non, il y a un spécial, je pense. Plus 3, 34. Et là, j'ai plus 3, 34. Ouais, donc c'est la même chose. Là, 21, 22. Et là, j'ai pas mieux. Ok. On est bien. Et ben, on va se poser un petit peu. On va attendre une petite journée tranquillement. Histoire que les troupes, après avoir combattu aussi ardemment et fait autant de massacres, puissent se reposer un petit peu. On va leur même laisser une journée de permission. Tu sais quoi, le sultan est bon avec ses troupes. Surtout quand elle bosse bien. Et là, on va par contre réfléchir à ce qu'on va faire. Petit matin. Liv. Personne prêt à être promu. Si. Putain, 15, 5 Chaos Knight. Je commence à en avoir là. On va s'attaquer à une forte armée impériale pour montrer maintenant qui c'est le patron. 14 contre 112 et 27. Le chaos a besoin d'aide là. Et bah voilà, ça tombe bien. Alors, ouais. Ouais. Oh là, petit homme. On va faire tranquillement nos plans de bataille comme d'habitude. Voilà, mes guerriers, vous foutez là. Allez, allez, on se dépêche, là ça commence à se profiler. S'ils veulent attaquer comme des crétins, c'est leur problème. Moi, je ne sers pas le chaos, je ne sers que moi-même et les anciens dieux des sultans. Il faudra que je fasse une pantologie des... Un panthéon des dieux des sultans. Les êtres de la première ère, qu'est-ce qu'ils vénéraient? En tout cas, pas des petits dieux du chaos. Ouh, j'ai fait un tir à la tête contre un cheval. Regardez-moi la force du chaos là, regardez. Oh les mecs, vous faites quoi là? Des dingues les gars, ils vont y aller tout seuls quoi.
coup, on va foutre un peu la merde, hein, parce que sinon, on va jamais y arriver. Ok, j'ai compris, je me casse. Putain, mon cheval a pris trop cher. Ok, il nous faut cette colline. Infanterie ici. Bougez vos culs. Ils peuvent pas avancer plus loin. Vous foutez ici l'infanterie, ici les archers et on se dépêche. Mais où, sont, où est mon, ma cavalerie? Ma cavalerie va pouvoir charger pour gagner du temps. Ok, ils ont fait encore une erreur. Putain, ils ont de la race guard. C'est pas des merdes. Ok, ok, là je vais avoir un problème. F1, F3. Infanterie chargée là, je vais avoir besoin d'aide. Je vais essayer de rejoindre mes lignes. Ah, j'ai entendu Force the Blood God, un païen. Voilà. Et ils sont équipés, hein. Ça suffira pas. Ok, lui, il a fui. Allez, massacrez-les tous. Là, je trouve ça dommage qu'ils se réfugient aux frontières, hein, comme ça. Bon, 36 en face, let's go. Pas de préparation, on les massacre. Ça c'est fait. Massacrez-les tous! Allez! Pousse-toi mon pote. Ouais, j'ai rien pu faire. Toi mon pote. Voilà. Coco. Là c'est même plus une bataille, c'est une boucherie quoi. Ah, il y en a encore en vivant. Il y en a encore en vie ici. Ouais, j'ai rien dit. Ok. Et toi, je t'accepte. Ah, moins 7, lui même pas. Alors, Empire Marksman, Vétéran Albardier, on va bien les prendre. Celui-là aussi. Prisonnier sauvé. Ouais non, c'est de la merde. Ok, Orc Bigun, Black Orc, encore des Knights, Black Monk, ok, c'est cool, Black Priest, Individual Champion. Là on est bien là. 5 plus 9. On va les prendre quand même, c'est toujours
du fric gratos. Et bah écoutez, je trouve qu'on a bien avancé dans cet épisode. On est passé d'une armée entraînée à des troupes quasiment littéralement invincibles sur le papier. On va tenter, je pense, dans le prochain épisode, on va tenter un assaut de ville. On va voir ce que ça va donner, hein. Puis ça se trouve, il faudra tout reconstruire, mais c'est pas grave. Je pense que, franchement, on va arriver à faire quelque chose. Mais t'as dit qu'on va arriver à faire quelque chose. On verra ce que ça va donner. Je sais pas si j'attaque. Je pense que je vais attaquer les hommes lézards en bas parce qu'eux ils me détestent de base. Alors que le chaos c'est mes potes. Et les elfes noirs c'est mes potes. Donc je pense que les hommes lézards. Ensuite on s'attaquera ici. Et après on sera tranquille. Mais les hommes lézards, on verra parce qu'on n'a pas affronté d'armée hommes lézards. Donc ça se trouve, on va avoir des surprises. Et je pense que ça va être bien. En tout cas, merci pour les likes. Hein. J'apprécie toujours autant de voir que même s'il n'y a pas énormément de vues, la série est bien aimée. Voilà, pour moi, les likes, c'est comme quoi je veux que tu continues. Et puis j'aime bien cette série en particulier. N'hésitez pas aussi à commenter, hein, ou bien à me proposer un slogan. Hein. Franchement, si vous me trouvez un bon petit slogan dans les commentaires, eh ben, on changera ça à la place de Immortal, Invincible, Sultan Jial is back, blablabla. Si vous trouvez un slogan pas mal avec des rimes pas trop longs, hein, 4 ou 5 phrases suffisent, bah écoutez, on changera ça s'il y a beaucoup de pouces vers dessus. Voilà, à la prochaine, c'était Jihad de Age of Noobs et j'espère que vous avez apprécié cet épisode qui, ma foi, c'était des victoires, mais des victoires à l'arrache quoi. Enfin bref, ciao ciao, à la prochaine!